Bonsoir à tous, bienvenue dans la neuvième, déjà neuvième session de Saints Rose Third. Je suis TX9000 et je suis en compagnie toujours et encore de Pic Absent. Salut Pic Absent. Salut, et je me fais déjà courser par les étoiles du matin, bonjour. Good morning. En même temps, étoiles du matin, good morning, logique non? Jusque là, rien de très surprenant. Et je viens d'acheter l'aéroport. Dégage-toi. Ah, je viens d'acheter l'aéroport. J'achète aussi l'aéroport quand même. Hein. Si tu veux, je t'y emmène. Ouais, attends. Qu'est-ce que je peux prendre ça? Ah, un Vettel noir. Allez, on va changer un peu parce que le Vettel violet, c'est bien, mais... T'es en cours, là, t'y vas? Non, mais je l'ai déjà acheté. Mais rejoins-moi, je t'y emmènerai. Eh bien, j'arrive. Ouh, un avion noir. Je prends. Quoi, t'as un problème, toi? Ça, c'est fait. Ah ouais, stylé l'avion noir. Ouais, maintenant faut que je l'emmène. Je sais même plus comment on recule. Ah si, ça y est. Attends, je vais te débarrasser. Là, voilà. Oh, il a pris cher, il fume là. Il fume pas, t'inquiète. Il est rouillé. Allez, attention, on crève. Allez, on est gentil, on crève. Allez, on crève. Allez. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était couru d'avance. Je me suis pris une voiture. Tu pouvais me réanimer. T'inquiète, je suis là. Alors, tu as changé de tenue. Tu t'es remis en mode joggeuse, là, ce coup-ci. J'adore la voix robotique du Vettel. Eh ben tu vois, t'en as un autre là, avion, regarde, tout n'est pas si... Ouais, celui-là, faut pas que je le détruise. Débarrasse-moi de la voiture qui fonce sur moi. Bouge pas. Quoi, déjà? Il a pété, j'ai même pas vu prendre feu. C'est quoi cette camelote? Ton avion, il recule tout seul, hein, je te ferai remarquer. J'ai remarqué. Alors attends, ça m'a... Ah super, ça m'a débugué. Bon alors, déjà les mecs, j'ai pas du tout apprécié que vous pétiez mon avion. Oh la précision! Moi je monte dans l'avion, je vais essayer de le ranger. Bah j'essaie de tuer un peu ce qui traîne en fait là. Ça va vite. Oh merde, y'a une brute. Quoi? Et une brute. Ah, une brute au Gatling. Ok, super, génial. Parfait, je n'aurai pas l'avion. Moi je vais... Pas tarder, y passer, je suis Gatlingué, mon dieu, mon dieu. Ah non, j'ai pas pu m'échapper. Bon, on commence mal, dis donc. Ouais, c'était une rouste en règle, voilà. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Bon, je vais t'y emmener, ne t'inquiète pas. Je déteste ces saloperies de brutes. Oups, fail. Wait, je sais. Ah, argent. Foiré, salope. Ah, vous m'avez tué alors que j'étais en train d'aller me planquer. J'y étais presque. J'étais presque. J'avais presque réussi. Presque. Foiré. Attends, je vais acheter. Attention, tronçonneuse. Tu m'as encore foutu le bagnole dans le poteau. Donne-moi la voiture, c'est ma voiture. Oui, je pensais que t'allais monter dedans, donc c'est pour ça que moi j'y étais. Attends, je t'y emmène.
quoi là? C'est quoi? C'est quoi ton problème? T'as un problème là? Là, voilà. Ça, c'est une élimination propre en règle. Attention, convoi exceptionnel, balle. Non, ce n'est pas cassé, elle a totalement raison. Là, j'y crois. Je me suis fait démolir mon Vettel en moins de 3 secondes là. Waouh. Je peux aussi y accéder, dis donc. C'est-à-dire que j'aurais déjà acheté. J'aurais fait ça. Ajoute des avions pour accéder au hangar. Ah ouais. Et du coup, tu dois pouvoir les acheter, ils ont du repop. Faudrait que j'en trouve un. Doucement, doucement, doucement. Ah oui. Il y en a un, juste là. Si tu veux venir récupérer la voiture, il n'y a pas de souci. Que grand bien te fasse. C'est pas évident à manœuvrer, cette diablerie, hein? Oui. Alors, oui, je précise au cas où, normalement, ce genre d'avion, ça ne recule pas. Hein, Allez, allez. Ah, c'est pas évident à manœuvrer. Non. Moi, je... Essaye de manœuvrer le mien, on rigole. Ah, le tien, j'y arrive beaucoup mieux que le dodo, là. Oh, on est les flics, c'est pas vrai. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? J'arrive pas à le ranger. Parce qu'il faut vraiment... Tire-le de là, s'il te plaît. Faut être vraiment sur la zone, c'est chiant. Toi, je vais te tronçonner la gueule, viens ici. Tiens. Oh, il a déjà repop, eh ben, putain, ils ont pas perdu de temps, au moins. Oh. Voilà, ça, c'est fait. Je peux pas le stocker dans le garage. Bon, ben, tant pis. Oh là. D'accord. Je sens que ça va être chiant. Ah ouais, ça va commencer à être pénible, hein, à force. Oh, il y a même les boules pour éviter d'aller se cracher dedans, des fois, on ne sait-on jamais. Attention, vrille! Eh, c'est une vrille réussie! Non, je ne peux pas le mettre dans le... Non, il veut pas, hein. Bon, tant pis. Bah, y a un avion craché dans l'eau, là, dis donc. Ah, ah, accepte. Oh, pas chiminant, hein. Hey, I'm so happy we can finally talk. Yeah, my name's Andy Jen, I'm sure you've heard of me. The studio signed me on to direct Gangsters in Space, and I want you to be the star. I mean, I'm sure you're already a star, but think of immortalizing yourself on the silver screen. Beautiful thought, right? Allez, c'est parti. Dernier DLC, dernière mission qui nous reste à faire, entre guillemets, sur la quête principale. C'est pas la quête principale, on l'a fini la quête principale. Oui, c'est des missions annexes, voilà. Non, ce sont des DLC. C'est des missions annexes, c'est autre chose encore. Fuck. Hein? Alors, le studio, il est où? Et comme je suis cascadeur, j'y vais en parachute. Ouais, c'est surtout que t'avais la flemme de te poser. Oui, bah attends, va te poser avec un dodo, toi. Hein. Désolé, monsieur la police. Ouais, fucking saints. Et je te crie à la fin. Je m'en fous, j'étais occupé à essayer d'aller vanner la dame, là. Kill that son of a bitch. I'm gonna kill that son of a bitch. I'm gonna kill that son of a bitch. Ah, le script. Excuse me.
Par contre, il me faudrait un succès. Le succès, récupérer les claps qui est un peu partout. T'inquiète. J'adore cette nana aussi, elle est géniale, je trouve. I need cue cards like a motherfucker. Brilliant! That's so fucking cinema verite. You're gonna kill it. It's nice to meet you, Mr. Zhen. Who is this extra and why is she talking to me? Oh, Mr. Zhen, I'm playing Quilana. Really? I thought we were getting a name for Quilana. Nope, just me. That's just fucking great. Ah, super, hein, elle est contente, monsieur. Is it gonna bring you down, I promise. Miss MacPherson. Yourself, you're gonna kill it. Right, let's shoot this fucker. Okay. Ouais. Ah, déjà le ton est donné. Tu sens le mec là. You're rescuing the alien princess from the military. That's Jenny, right? Who? Oh, right. Whatever. Her name ain't worth the foam in my morning double decaf soy latte. Je me fous son vrai nom comme de la mousse. Mais c'est génial. Donc, il faut aller sauver la princesse Quilana, alias Jenny. The government won't escape with the alien. Not if I have anything to say about it. Vite, vers l'héliport de la garde, en avant. Et j'aime bien, il y a des caméramans un peu partout. Yeah, vite, baby. Ok, then charge up the hill, guns blazing. I'm coming, princess. Hang on. Tu sens que c'est pas naturel du tout, hein. Je viens de tuer un membre de gang là, et en fait, c'est un caméraman. Mais je crois qu'il y a un succès en les tuant, les caméramans. Mais bien entendu qu'il y a un succès. Vite, allons chercher l'hélico. Attention, il y a des ennemis. Sois prudent. Ouais, mon cul, ouais. Vite, délivre la princesse Quilana. Je m'occupe de l'hélico. You saved me. You're not like the... No time for small talk. Oui. Cut! You know what? This just isn't working for me. There's no light. We gotta start making a performance here in a cardboard cutout for a co-star. Okay, we gotta ramp everything up. Take it back to entering the base. We're sexing this fucker up. Ah, t'as des grenades, toi. Moi, j'ai pas de grenades. Et pourtant, je l'améliore au max. Yeah, just, you know, trying to make Mr. Zhen happy. En tout cas, toujours plus de cheveux, hein, moi, je dis. Toujours plus longue, la tenue. Oh, mais c'est un super panda! Non. Allez, sautons. Youhou! Allez. Ah merde, je me suis complètement fail. Voilà, je suis dans l'eau. Je suis posé. Ah oui, faut. Et après, si on le fait trop chier, il fait. Ah oui, Ah, c'est bon, j'ai les grenades. Feu! Et dis-moi où il y a des caméramans, hein, que je puisse tous les tuer. Tu sens la puissance de Michael Bay? Toutes les explosions. La musique aussi, totalement épique. Nous allons tenter de sauver les aliens, alors que la fin du monde approche. Oui, bon, ça va. Seule chance de salut. Et j'étais à moitié dans le truc. Rejoignons l'hélicoptère. Quoi? C'est toi qui conduis? Mais comment une extraterrestre peut-elle conduire? Vite, dépêchons-nous. Ouais, tu me parles? L'humanité est proche de sa destruction. Nous devons tout faire pour la sauver.
J'aime pas que les hélicos nous... Oh putain. Nous sommes en feu, nous allons mourir. Le dernier espoir de l'humanité. Ça c'est pas de l'humanité, c'est des aliens là. Non mais les aliens sont là pour nous sauver, t'as pas compris toi? C'est ça. Thank you so much, Mr. Jen. I'm glad you... Yeah, I was talking to our star, not you. You had the emotional range of a bagel. D'un sandwich. Un sandwich aux céréales dégueulasses. Je trouve ça très déplacé, Monsieur Zen. J'aimerais que vous considériez mieux cette jeune demoiselle. Elle a du grand potentiel. Vite, la suite. Les militaires nous recherchent. Nous devons tout faire pour nous échapper. Vite, prends la tourelle. Je nous couvre. Enfin, j'essaye si elle ne va pas trop vite et qu'elle me largue pas en route. Lol. Oula. Michael B. Power. Incroyable, la princesse Quilana sait extrêmement bien conduire. Feu à volonté! Tuons-les! Faisons-les disparaître! Nous devons sauver le monde. J'aime bien ma main qui passe à travers le toit. J'ai pas de toit au vent, mais c'est pas grave. Oula! Tu as fait un... partout. Tu as fait un carnage. Attention, caméraman. Qui est caméraman? Où ça? On a passé. Tiens, mange. Vite, vous allez tous mourir. Mais enfin, en tout cas, je trouve ça affreusement atroce quand même. Vite, tout est détruit. Nous devons sauver. Nous devons rallier le vaisseau. Sinon, tout espoir sera perdu. Toi, t'as faim, dis donc. Ah, t'es caté, c'est pour le roleplay. J'ai un peu de mal à viser avec ce truc pour l'instant. Oh, moi ça va. Sauf que normalement on parle de troisième rôle là, puisque le second rôle est déjà pris. Le tank, vite! Nous devons nettoyer la route! Des vaisseaux extraterrestres sont arrivés de nulle part pour vous sauver, princesse. Vous n'avez plus rien à craindre. Enfin, ils sont ennemis, donc on s'en fout au pire. Voilà, ça c'est fait. Par contre, la voiture a pris un peu sanction. Oui, bah en même temps, des vaisseaux extraterrestres, hein. C'était une smart. Trop tard. Oula. Trop loin. Vaisseau extraterrestre en approche. Boum. Il y en a un autre! Monsieur Spock, préparez les canons! Nous sommes attaqués! On n'est pas dans Star Trek là! Chargez les missiles protoniques! Nous avons besoin de dissoudre leurs boucliers plasma si nous voulons avoir une chance de passer et de détruire leur flotte en titane! Chut, tais-toi! Activez le téléporteur, il va falloir nous évacuer! Ah, c'est jeu sur chauffe! Tiens, voilà. Non! Oh, elle est complètement folle. Cette femme est complètement folle. Nous sommes perdus. L'offensive des aliens. Oh,
nous met dans une situation plus que périlleuse. Je sens à quel point le rôle est passionnant là quand même, pour essayer d'envoyer un message en pleine prise. Elle est longue la prise quand même, hein? Ouais, mais il n'y a pas de caméraman par contre, j'aimerais bien savoir où est le système de caméra là. Bah je les tue tous. Ouais, attends. On investit du budget là, regarde, c'est un film, il y a des explosions partout là, c'est au moins un film à 150 millions de dollars, hein? C'est ça, oui. Michael Bay n'a qu'à bien se tenir. Monsieur Zen est dans la place. Ah, je surchauffe, bordel. Je l'ai eu. Don't worry, we'll fix it in post. Okay, next up, you're gonna jump the car over the river to get to safety. It's all set up and idiot-proof. So that should include you, Jamie. I think you mean Jenny. Less talking, more driving! Ignore him. You can do it. It's okay. I'm just going with the flow. Okay! Action! Et c'est reparti. Ne fais pas ça! Nous sommes loups. What the hell was that, Jemima? A child could have made that jump. A crippled child! I was blind! Hey, back off before I feel the need to get violent. Listen, I'm really sorry. Ah, il y a un caméraman là. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Le matos dans l'eau là. Caméra pas étanche, les mecs, hein. Are you crazy? He's the director. He's a douche, is what he is. Alright, let's reset and do that again. Quoi? T'es sérieux là? Bah, tu vas aller oh, te faire foutre, mon bonhomme. Des vaisseaux aliens! Ils veulent tuer la princesse, nous devons la protéger! En avant! D'autres vaisseaux sont là! Wow! Je crois qu'on les a semés. Ils arrivent. Des cyclotrons, abattez-les, vite. Nous avons réussi. Onward. Cut. That's a wrap for today. Amazing work from most of you. Not naming names, because I've already forgotten your names, because you are worthless. Now get off my set! Formidable, formidable, on a réussi là. Je pense qu'on a de bonnes premières prises pour ce film et ben, on va voir ce que le public en pense. Oui, c'est ça. Toi, tu t'y crois un peu trop, non? Ah bah écoute, moi je veux faire du cinoche, hein, donc partant de là, faut que j'y croie, ouais. Sinon ça marche pas. C'est personnalisation, je peux avoir des extraterrestres dans mon gang. Oh oui, des extraterrestres dans le gang, ça c'est cool. Cet épisode de Saints Row est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez trouver l'épisode suivant ici, et l'épisode précédent ici même.
Vous pouvez également partager les vidéos sur Facebook et sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus et si vous souhaitez suivre nos aventures sur Saints Row the Third. Humble salutation, c'était TX9000 et merci d'avoir visionné nos vidéos.